après une interaction entre un maman avec un maman. Donc son maman qui campait pour petit lit, pour le capable, aïe aïe aïe, pour le capable de venger petit lit, qui jouait avec un maman qui décidait pour protéger petit lit. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, salut. Jodi a nous abordé une nouvelle série sous Somme 91 autour du thème à l'ombre du Tout-Puissant. Somme 91 était une somme les plus connues et les plus puissantes de la Bible. Une somme qui gagne pile promesse et qui gagne pile inspiration. Donc, nous encourager à suivre Somme ça, série de messages ça, et à partager avec vos amis, avec vos familles, pour qu'ensemble nous capables grandir dans notre connaissance de Dieu et de sa parole. Nous souhaitons déjà bonne écoute et soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Merci Céleste Père, merci de ta présence en nous et avec nous. Merci parce que tu es vivant, réel, tu es le Tout-Puissant. Donne-nous l'onction de la prédication à cet instant. Donne-nous l'onction. Donne-nous la parole facile. Que cette parole soit accompagnée de puissance et de grâce, de capacité de guérison, d'encouragement et de force. Fais pour nous au-delà de nos attentes, car nous comptons sur toi. C'est là notre prière dans le nom tout-puissant de Jésus. Qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu se trouve dans le livre des psaumes. Nous sommes au psaume 91. Et le seul verset que nous allons considérer ce matin, c'est le verset premier. Le premier verset qui dit, psaume 91, le premier verset qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, le monde vit à l'heure actuelle une expérience extraordinaire. L'humain a connu des temps de crise, des situations compliquées. Nous évoquons la pandémie grippale de 1918 qui a fait jusqu'à 100 millions de morts selon certaines estimations. La grippe aviaire en 2004, la grippe H1N1 en 2009 et plus près de nous la menace de l'Ebola en 2014. L'expérience du coronavirus toutefois provoque un niveau de panique jusque-là inégalé. Et devant la menace de cet ennemi invisible, pour reprendre l'expression du président américain, la panique est partout, la panique est en tous. Contrairement à l'attitude générale, le croyant est appelé à activer et à vivre sa foi. Le concept de la peur est incompatible à celui de la foi. Ce sont des concepts opposés, contradictoires, contraires, des termes qui s'excluent mutuellement. Le concept de la peur appartient au registre de la chute. Il décrit une relation d'étrangement, d'aliénation avec le Dieu de la vie. Le croyant est appelé, ou plutôt interpellé, à vivre une autre réalité. Une réalité différente, la réalité de la foi. Cette foi qui s'inscrit dans le registre de la rédemption et qui se nourrit de communion avec le Dieu du temps et de l'éternité. Face à cette épidémie de virus, cette épidémie de peur, certains croyants sont pris de panique et demandent une réponse. Ils veulent savoir, ils veulent avoir une parole pour les soutenir, pour soutenir leur foi. And the question is there a word from the Lord? Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? La Bible répond à cette question. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Le psaume 91 est un psaume anonyme. La tradition juive l'attribue à Moïse en fonction des ressemblances qu'il partage avec le texte du Deutéronome 32 et 33 au niveau du langage. Cette attribution est toutefois contestée dans la communauté théologique. Il y a des gens qui pensaient et qui estimaient que psaume n'a été rédigé par un lévite à des fins liturgiques. Ce qui explique la pluralité de chœurs ou de chants qui viennent jouer à tour de rôle leur partition dans cet ensemble à la fois profond et spirituel. La date de rédaction est aussi inconnue. On a supposé, à cause des dangers énumérés dans le psaume, qu'il datait d'un temps de guerre ou de mortalité. Somnant son psaume en fonction de ce qu'il est, en fonction de son message qui a appartenu à toutes les époques, car en tout temps et en tout lieu, le fidèle s'avance au milieu d'innombrables dangers. Psaume 91 ans, son psaume les plus puissants et les plus populaires du recueil de psaumes ou du sautier. On l'a souvent appelé le psaume du soldat. Plusieurs l'ont récité avant d'aller à la guerre, d'engager un combat. Il souvent servi à réveiller la foi des enfants de Dieu à l'heure du danger. Ce psaume a fortifié les fidèles dans les temps d'épreuve, en péril sur les mers, au milieu d'une épidémie. Fréquemment, dans les psaumes, le premier verset nous donne le thème ou la note élevée du cantique. Premier verset a généralement lié résumé à l'avance toute la pensée du psaume, le sujet du psaume 91, la thématique qu'il développe ou le message que l'auteur a voulu communiquer est dégagé dans le premier verset. Dieu assure la protection de ses enfants. Aïe, aïe, aïe. Nambo créole, bon Dieu prend sous lui-même la responsabilité. En temps de crise, en temps de danger, en temps de problème, en temps de épidémie pour le capable protéger Sila qui pour Lio et nous dit amen, frères et sœurs. La fragilité de l'homme n'est pas seulement criante, mais aussi alarmante. Le corps humain, cette machine naturelle à la fois complexe et compliquée, est d'une fragilité déconcertante. Yon entorse, yon foulure, yon accident de voiture, yon bactérie, yon virus peut radicalement changer toute une vie. Pascal disait, et en ce sens il a raison, l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. En fait, il a raison en ce sens, yon plante ou manger qu'à tuer, un animal, une température élevée ou basse, un dysfonctionnement au niveau du corps, son propre système de défense, c'est-à-dire les maladies auto-immunitaires, capables à n'importe quel moment éclipser sa vie. Les dangers qui menacent l'humain sont grands et nombreux. Des choses qui volent, des choses qui marchent, des choses qui frappent, oiseleurs, peste, lion, aspic, dragon. Les ennemis de l'humain sont puissants, ils sont humains, ils sont démoniaques, ils sont naturels, ils sont chimiques, ils sont physiques, ils sont biologiques et j'en passe. There are things and people that are after him, to kill him, to hurt him, to destroy him. L'État semblé que l'humain doit lutter pour vivre. Il doit revendiquer son droit à l'existence. Il doit se battre pour rester en vie. Et cette situation lui créait qu'à l'homme, non, un besoin cuisant, un besoin de protection et de protecteur face au danger de l'existence. La satisfaction de ce besoin n'est pas à chercher dans l'homme, car l'homme ne peut se protéger lui-même, encore moins son semblable. La Bible nous enseigne au psaume 146, verset 3 et 4, « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leur dessein périsse. Ils ne peuvent sauver. » Fauchés cannot save. Ah, I like my president, but Trump cannot save. The FDA cannot save. In fact, we heard recently, nous tenons récemment, que yon personnel du vice-président Pence a été lui-même, a contracté lui-même le virus. En d'autres termes, si eux, là où ils sont, ne peuvent se protéger, ne peuvent se sauver, si yon pas qu'à sauver tête yon, c'est pas moun yon qu'à sauver. Si yon pas qu'à sauver vie yon, c'est pas moun yon qu'à sauver. Si yon pas qu'à sauver famille yon, c'est pas moun yon qu'à sauver. Cette pandémie
révèle les limites de l'humain. Avec tout notre avoir, avec tout notre savoir, devant la brutalité de la maladie, nous sommes désarmés. La satisfaction du besoin de sécurité et de protection chez l'humain n'est pas à chercher dans les divinités païennes non plus. Diable n'a pas qu'à sauver. En réalité, le diable, aussi puissant soit-il, il a ses limites. Et quand il donne, c'est toujours pour reprendre avec un taux d'intérêt exponentiel. Une leçon nous est proposée. Une solution nous est proposée. Une sortie est faite pour l'homme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le vocable « celui » dans le texte, pronom démonstratif, démontre, indexe, pointe du doigt une catégorie de personnes, un groupe de gens, une race de protégés, un groupe qui ne succombe pas à la panique, un groupe qui trouve la sortie, un groupe qui abrite, qui se place à l'abri du danger. Et quelle est cette catégorie de personnes? C'est celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Nous venons un matin pour me dire, au milieu de la panique, au milieu du danger, au milieu de la peur généralisée, il y a un groupe de personnes, il y a une génération d'hommes et de femmes, il y a une race humaine qui ne se donne pas, qui ne se livre pas, qui ne se panique pas, mais qui cherche en Dieu son refuge, qui cherche en Dieu sa grâce, qui cherche en Dieu sa protection, qui cherche en Dieu son salut, qui cherche en Dieu son soutien. Un groupe de monde qui croit que même au milieu de la mort et du danger, bon Dieu, qui est capacité pour avoir la protection. Si amen, quand on est là, car on a dit amen. Yes. Notez bien que le texte a dit nous. Moun sa yo, c'est moun qui demeurait. C'est pas moun qui passait. C'est pas moun qui visitait. C'est pas moun qui font coup de pied. C'est pas moun qui engagé dans un processus de va-et-vient. Mais c'est moun qui demeurait. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot hébreu pour demeurer, c'est yachab. Et ce mot veut dire littéralement asseoir. Rester, habiter. Vous connaissez une différence entre un touriste avec un résident. Un touriste, c'est un monde qui a passé. Un résident, c'est un monde qui habite. En réalité, le texte a dit, le monde qui a besoin de protection pour Dieu, c'est un monde qui habite. Ce n'est pas une habitation physique, mais une habitation spirituelle. En fait, il y a un principe psychologique qui fait nous comprendre que côté où il y a, en réalité, ce n'est pas côté corps, mais c'est côté l'esprit ou bien pensée où il y a. C'est ça qui fait, ou bien, ouais, ouais, mon chita en côté, yo dou pas là, non? Raison qui fait au dit moun n'est pas là, c'est pas que le corps de la personne n'est pas là, mais c'est que la pensée de la personne est ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Donc, le texte a parlé de demeurer. Ça, texte avait dit, en réalité, moi, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est garder ses pensées sur Dieu. C'est trouver ce lieu secret. La version lui second dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le mot hébreu pour abri, c'est seter. Il peut aussi signifier lieu secret ou endroit caché. Voilà pourquoi les traducteurs de la version Darby traduisent le texte de la manière suivante. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. L'important pour comprendre, bien-aimés frères et sœurs, dans un premier temps, la protection n'est pas à trouver dans un lieu, mais la protection est à trouver dans une personne. Parce que, aïe, 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 ou qui doit dans un lieu,
qui t'a censé paraître plus en sécurité, et puis tout ennemi a pété fier quand même. Ou qui doit dans lieu qui t'a semblé paraître plus protégé, et puis tout virus l'a cherché. Route l'il cherchait adresse caillou et puis tout frappe quand même. Mais ça, mais qui est important, c'est que j'aime d'où la protection n'est pas à trouver dans un lieu, mais la protection est à trouver dans une personne. La protection est en Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et l'auteur du psaume, l'il utilisait deux noms de Dieu pour être capable de transmettre l'enseignement percutant sur Dieu et sur la nature de la protection que Dieu donne. Qui mot, il utilisait deux mots pour nous, papa bon Dieu, dans le premier verset. Il utilisait le mot El Elyon et il utilisait le mot El Shaddai. Stay with me now. Il dit Dieu est pour nous. Il dit pardon, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça c'est El Elyon. Il dit moun sa repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça c'est El Shaddai. Maintenant, on doit comprendre que les noms de Dieu sont toujours révélateurs de sa personne et de ses actions. Bon, dis encore. Le nom de Dieu, ou plutôt les noms de Dieu, ils ont toujours révélé quelque chose sur la nature de Dieu et sur sa capacité, sur son agir dans le monde et sur ses actions. Stay with me now. Lorsque serviteur a dit, il déclaré, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut El Elyon repose à l'ombre du Tout-Puissant El Shaddai. El Elyon, lui parlait nous de la position de Dieu, de sa place dans l'univers. Il est le Dieu qui n'est pas seulement élevé. Il est le Dieu qui est très élevé. Il n'est pas le Dieu qui est seulement haut, mais il est le Dieu très haut. Ça me le dit, chercher protection en basel, mon Dieu, c'est monter dans le niveau qui est plus haut. Aïe, aïe, aïe. C'est aller côté qui est plus loin. Côté diable, pas qu'à moi-même. Côté démon, pas qu'à attaquer. Côté mauvais esprit, pas qu'à nuire. Côté coronavirus, pas qu'à jouer moi. La paix, mon Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Nèg nan mystique fait tout ça qui dépend de yo pour cacher la vie au côté qui loin. Gien qui cacher la vie dans la mer. Gien cacher la vie dans la forêt. Gien cacher la vie dans calbasse. Gien cacher la vie dans pied mapou. Même vin là pour me dire si go côté ou a besoin pour la vous cacher pour l'homme pas ka rien pour l'homme pas ka atteindre pour moun pas ka toucher ou a besoin cacher la vie dans le Dieu El Elyon, celui qui est le très haut, celui qui est le plus élevé, celui qui est le plus éloigné, celui qui est le plus distancé. Si bien amen, levez-moi les dit alléluia. Il n'est pas seulement l'El Elyon, mais il est aussi El Shaddai. Aïe, aïe, aïe. Ici est révélé pas seulement, oh God, la capacité de Dieu, mais sa toute puissance. Bon Dieu, ça, n'a servi à ce mon Dieu qui est tout puissant. Il n'a pas d'égal. La puissance de Dieu parle de sa capacité à tout faire, incluant à te protéger, même au milieu du danger. Au cas où faut te baisser, au cas où t'as posé tes deux questions, qui ça m'a devenu, qui ça, quel avenir pour ma famille, pour mes enfants, quel avenir pour mon église, quel avenir pour le monde, quel avenir pour le pays, d'après mon connaît. Que bon Dieu, ou observia, il est le Dieu tout puissant. En réalité, si vous êtes un titan, nous ouvrons parenthèse pour montrer la puissance de Dieu, sa capacité.
capacité pour protéger petit lit dans des terrains hostiles. Aïe, aïe, aïe. La Bible a expliqué que pendant 40 ans, le Dieu El Shaddai, aïe, 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 a su préserver la vie de toute une nation dans un environnement hostile. Le désert n'est pas un endroit facile. Le désert n'est pas un endroit amicable. Des serpents, des scorpions, et puis tout le temps des bons dieux qui baillent l'ordre à serpents. Donnez mon Dieu, amen. Qui va l'ordre à scorpion. Les dîmes qu'on nous compte piquer, c'est vrai. Qu'on nous compte morder, c'est vrai. Mais ce peuple ne sera pas piqué. Hey, ce peuple ne sera pas menti. Ce peuple ne sera pas attaqué. Ce peuple ne sera pas détruit. Ce peuple ne sera pas anéanti. Aïe, aïe, aïe. Et vous le connaissez, mon Dieu, qui était là hier, c'est lui qui l'a choisi. Il est le Dieu El Shaddai. Il est le Dieu El Elyon. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est avant tout une décision qui amène une démarche. Bon Dieu, parfois c'est pièce moun pour entrer en bas celle-là. Si vous voulez entrer, bon Dieu pas gourmet à pièce moun pour capable recevoir et accepter sa protection. Mais au cas qu'on moun qui t'a décidé, au cas qu'on moun qui t'a voulu, au cas qu'on moun qui t'a choisi, l'Éternel dit rentrez. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pour me dire, ou même qu'à travailler à l'hôpital, rentrez. Ou même qu'à travailler dans le nursing home, rentrez. Ou même qui sont first responders, rentrez. Ou même qui a vécu New York, rentrez. Ou même qui a vécu Washington, rentrez. C'est une décision. Et cette décision, amen. Même par contre pour vous, même choisir entrer en bas protection, bon Dieu Tout-Puissant. Par contre, qui ça vous fait et qui gens ou gérer problème stress, problème insécurité ou besoin de protection. Mais quant à moi, je choisis entrer en bas zèle, bon Dieu Tout-Puissant. Now understand something. Je vais avoir deux illustrations. Après ça, pour me finir. Songez l'aimé de Simon. Puis dans des ordres, tu as gagné une bataille. Je prends Simon qui était petit passé, je me fesse la terre. Et pendant que je fesse Simon à terre, Simon a joué la game, je suis à terre. Et puis tu as dit, maman, j'ai ça. Et puis tout maman Michel parti de M pour le prendre, pour le dépoler. Et puis tout moi-même qui connais que mon maman, je dis au caille. Je compte me aller. Les mains danger. Je suis petit et plus rapide parce que madame. Je couris. Aïe aïe aïe, je suis malé. Et puis tout me rivé. Bonne chance pour moi. M'arrive quand maman, maman là. Et là, maman me demande, ça t'a passé. Envoie me dire pas maman, mon explication. Madame n'a pas parlé devant votre là. Avec toute zèle, avec toute fureur. Parce que vous connaissez maman, maman, lui-même, il est concentré, maternel, concentré, qui a rendu méchant les petits liens d'Angers. Madame n'a pas parlé. Sac doit là, sac pas le passé, sac pas le passé à pas une interaction entre une maman avec une petite, sac pas le passé à pas une interaction entre une maman avec une maman. Donc son maman qui campait pour petite lit, pour le capable, aïe aïe aïe, pour le capable de venger petite lit, qui jouait avec une maman qui décidait pour protéger petite lit. Et puis tout
moment quand elle pas plus passer m'der et tout le faire pour là. Il dit madame ça qui est. Oh petit toi qui pas petit mon cou. Est-ce que ti moun nan mouri non? Est-ce que ti moun nan dépolé non? Quand ti moun nan là. Madame, on va le mener petit à l'hôpital. Et puis maman pas. Il prend cas pour moi tant que c'est lui-même qui t'en a fait. Et puis c'est maman qui fait des marches. C'est maman qui marchait à l'hôpital là. C'est maman qui fait toute l'autre bagaille. Et puis moi-même moi resté à l'abri de la protection maternelle. Me senti pour me dire aïe aïe aïe. Que on maman qui dehors. Qui derrière pour attaquer ou? Qui derrière pour manger ou? Qui derrière pour dévorer ou? Mais depuis où des intelligence pour aller yon côté, yon relé l'abri, si derrière ou, depuis où t'es arrivé là, c'est pas au même cap correspond encore, c'est pas au même cap bataille encore, c'est pas au même cap lutte encore, c'est mon Dieu cap lutte pour donne des paroles la vie que tu en nous donne à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et que mon cap dit, serviteur, ou commencez à prêcher, serviteur, nous t'endons à parler, mais qui dit ce message là? Pour qui raison faire comme ça? Nous t'as tout matin, dit message, moi, simple, c'est get there. Get there in the presence of God. Get there in his presence. Get there before the throne. Get there. Allez là devant sa face. Allez là dans sa présence. Allez là devant le trône. Mais pasteur, comment vous me faites aller? Allez dans la prière. Allez dans le jeûne. Allez dans la louange. Allez dans l'étude de la parole de Dieu. And when you get there, God will give you what you need. When you get there, God himself will provide for your protection. I hear the Bible says, nous sommes sans m'aider. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. There, I am protected. There, I am sustained. There, I am blessed. There, I am anchored. There, I am assured. There, I am provided for. There, I have everything that I need. There, I am justified. There, I am glorified. There, I am sanctified. Just get there. Get there. Et en conclusion, on comprend que le psaume est une déclaration de foi, une démonstration de grâce, mais c'est aussi et surtout une invitation à prendre place avec Israël dans la position de la confiance en Dieu. Pastor, what do I do? What do I do, Pastor? Don't be foolish. Et pas entrer dans des dalles de réflexion théologique insensée qui t'a censé faire comprendre que c'est un manque de foi pour prendre les précautions nécessaires. Yo t'apprêter les ça tant de Dieu. N'a pas de chance pour nous parler sur ça. Non, il y a une série de messages sur psaume 91 parce que vous pouvez voir comment Satan le diable a utilisé le psaume 91 pour faire chuter Jésus. Satan connaît son nom et Satan utilise. Ne pas prendre les précautions nécessaires. Se laver les mains. Soit vous travaillez dans l'hôpital ou font gens ou observer tout ça et demander ou capable de mettre tête ou non contaminé serait fou et insensé. Mais il y a des choses qu'on a besoin de faire. Pendant qu'on prend toutes précautions nécessaires, on a besoin qu'on ait que la protection réelle, la protection véritable, se trouve en Dieu et en Dieu seul. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut trouve refuge à l'ombre de Dieu tout puissant.
senti pour me parler à un monde, peut-être qui beaucoup chrétien ni adventiste, qui attendait message ce matin. Ou beaucoup baptisé, ou beaucoup fait l'expérience de ce Dieu El Elyon, de ce Dieu El Shaddai. Ou beaucoup jamais vivre sa capacité de délivrance. Je me sentis pour me dire en ce temps particulièrement difficile. Bon Dieu a parlé avec vous. Et bon Dieu dit que une protection la caille dans son lieu secret pour monde qui veut. Et là où tu es, quand tu y es, à moins inviter à accepter Jésus dans ton cœur, à faire la prière de la foi, la prière du salut, à dire Seigneur éternel, moi tant de voix qui parlait à travers serviteur. Et m'entendez que vos protections qui disponible. M'entendez serviteur à parler. Et il dit que bon Dieu qui piwa, bon Dieu tout puissant, li bay refuge et asile à moun qui mande. Et conséquemment, pas rien li pas qu'à faire, ni pièce moun li pas qu'à protéger. Bon Dieu, m'ta remis accepter ce plan de protection. M'ta remis accepter Jésus dans ma vie. Je le reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Couvrez-moi. Cachez-moi en bas zèle. Couvrez-moi en bas manteau grâce. Les lapis montent. Les lapis tombent, l'orage monte. Montez avec. On est bien haut. Papa ou gen contrôle sous tempête là. Ma prête ferme, moi connais en charge. Moi prie dans le nom de Jésus. Et sous fait prier ça ensemble avec nous par la foi. Moi m'en donne un numéro qui indique pour capable briller. Rele koulia là. On va bailler nom. On va bailler numéro de téléphone. Et puis tout nous-mêmes, nous prenons le temps pour nous capable faire contact là ensemble avec vous. Et ainsi, nous allons préparer vous. Pour recevoir le baptême aussitôt que vendredi demain hein, au nom du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Le numéro est porté sur l'écran. On va reler le coulia là. On va prier pour vous. Et pendant nous allons chanter, cachez-moi en bas zèle, couvrez-moi en bas manteau grâce. C'est chance à ça avec nous allons prier. Mais chan a fini ensemble avec là ce numéro qui dit 318 plus le mal est pressant, plus le mal est pressant. Plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et payant sous mes pas, plus le péril extrême, un prompt secours demande, plus je me réfugie au Jésus dans tes bras. Nous prenons chanter cantique ça, tous les couplets, et après ça, nous prenons l'Isop 91 et nous prenons mettre nos genoux pour invoquer la grâce et l'onction de protection que donne le Dieu. 318, plus le mal est pressant, plus la misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous les mains. Nous espérons que nous avons béni par message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou faire via et Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour vous. Nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former monde, édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guéons dans deux plans mes papa bon Dieu et nous dit bon Dieu remercie, nous remercie tout. Bye bye.